Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est la VOD du dernier live en date sur la chaîne Hitbox. Pour y assister en direct, je vous donne rendez-vous sur hitbox.tv/mordren. Abonnez-vous pour ne surtout pas rater les suivants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. C'est Mordren et je suis sur Hitbox en live tout de suite comme tous les mercredis de 20h à 22h. On est sur Cities Skylines, un jeu que je vais grosso modo découvrir un petit peu avec vous. J'y ai déjà joué une quinzaine d'heures à peu près. Mais voilà, c'est pas comme si je maîtrisais le jeu. On va faire nos premiers pas aujourd'hui en stream et en vidéo, en VOD sur YouTube le samedi à 16h. On est en live avec les amis du chat. Salut le chat! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. On va faire tout de suite une nouvelle partie. Alors, plaine verte, Valrive, bois noir, les îles, rivage ombragé, deux rivières, plage de sable, côte de diamant, lagune. Alors, il faut savoir que à chaque début de partie, évidemment, on choisit un biome entre guillemets. C'est une zone de départ dans laquelle les ressources sont différentes, sont disséminées différemment. Vous avez évidemment le pétrole, les ressources minières, les ressources agricoles et les ressources forestières. Évidemment, la topographie du terrain diffère en fonction des différents biomes. Donc si vous allez sur les îles, évidemment, il y aura beaucoup plus d'eau qu'ailleurs. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Il va falloir gérer un petit peu avec les ports, les aéroports éventuellement aussi, et les ponts surtout. Parce que les aéroports et les ports se débloquent très très tard dans le jeu. Enfin, très tard. Après quelques heures de jeu déjà. Donc on va aller tranquillement sur les plaines vertes. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on n'entend pas le jeu, donc je vais peut-être remettre le son du jeu. Ça peut être assez intéressant, je pense. Petit temps de chargement. Alors ça me permettra de faire un petit peu le point sur qui est qui. Ah voilà, volume principal. Volume musique, volume ambiant, volume des effets. Oui, non, Twitter, on va peut-être le désactiver par contre. Hop! Alors, Kiki. Dites-moi si c'est trop fort par contre. Hein. Dites-moi si au niveau du son on est trop fort. Cities Skylines est un jeu développé par Colossal Order. Édité par Paradox Interactive, pardon. C'est sorti sur Windows, sur Mac et Linux. C'est sorti le 10 mars 2015. C'est du city building. Grand héritier de SimCity, bien évidemment. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Alors moi, je sais déjà un petit peu. Je sais déjà un petit peu ce que c'est. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Alors. Donc commençons un petit peu, donc ça c'est des trois voies. Trois voies. Route à quatre voies, non. Route à deux voies, sens unique, non plus. Bim! Alors! Donnons un petit endroit sympathique. Oh là, ça c'est beaucoup trop gros. C'est beaucoup trop cher d'ailleurs. Recommençons. Pas toujours au point, vous le verrez, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est trop petit, par contre. N'hésitez pas à me conseiller, d'ailleurs, si vous avez des envies. Premier fail. Non, non, c'est que y a pas de route à trois voies, en fait. Et ça m'ennuie un petit peu. Bah, tant pis. C'est pas grave. On va faire de la 6 voies. La 6 voies, c'est beaucoup, je trouve. Bon, on améliorera ça plus tard. Attendez. Ouais, non, les autoroutes sont pas dispo. Hop, allez, c'est parti. Ça, c'est à sens unique ou pas? Oui, très bien. Donc pour commencer, je veux des voies à sens unique pour maîtriser un petit peu le trafic autour de ma ville. J'ai toujours du mal avec le trafic dans ce jeu. Et vous verrez pourquoi. Alors, toc, ensuite.
Non. Hop. Tuc. Alors j'essaie de me concentrer un petit peu, hein. C'est normal que je parle pas trop pour l'instant. Mais ça va venir, vous en faites pas. J'essaie de pas faire trop de bêtises au début du jeu. Hop! Ok, allez, hop. Allons-y. Alors ça, c'est un truc que j'adore, ça, dans les City Builders. Moi, j'avoue que le dernier auquel j'ai joué vraiment, c'était SimCity 4. Et les routes arrondies, c'était très compliqué à l'époque. Du coup, voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette option, cette fonctionnalité-là dans City Skylines. Il faut savoir que Colossal Order, c'est pas leur premier City Builder. Ils avaient précédemment fait Cities in Motion 1 et 2. Le premier qui est sorti en 2010, le deuxième en 2013. Donc voilà, c'est pas des brels concernant ce genre de jeu. Donc on peut leur faire confiance. Enfin quoique, c'est pas toujours une garantie de succès, hein. Regardez où en est la licence SimCity actuellement. Donc évidemment, la première chose qu'on va faire dans ce jeu, ça va être déterminer un petit peu les routes et donc les zones dans lesquelles on va pouvoir jouer et répondre aux besoins et aux exigences de notre population qui vont être, bah, on va dire, en trois parties. Vous avez les résidences, les commerces et les industries pour commencer. Et après, vous aurez un certain nombre d'autres choses à faire. Salut Narga. Mais ça révolutionne les city builders, nous dit quoi? Salut tout le monde, bienvenue, bienvenue. Hop, alors. Donc première chose que je vais essayer de faire, ça va être d'être un petit point, d'avoir une sorte de circuit qui nous emmène vers la sortie de la ville. Parce que vous l'aurez remarqué, en fait, nous avons une entrée à sens unique qui se fait par ici, et une sortie qui se fait par ici. Donc l'objectif, en fait, ça va être de pouvoir entrer évidemment par cette ville ici, mais d'amener le trafic à reprendre cette zone-là. C'est aussi simple que ça. Donc on va faire un petit tour dans les options d'ailleurs, dans les contrôles. Si je peux. Voilà. Parce que évidemment, j'ai eu la bonne idée d'avoir un raccourci qui me fait couper le stream. Hein, parce que sinon, ça serait pas marrant. Ah! Éditeur de cartes? Ça doit pas être ça. Éditeur de ressources non plus. Info quartier, non. Partager. Construire évaluation haut, bas, page. Ah voilà, c'est ça. Tac. Toc. Parce que sinon, on coupe le stream et j'aurais l'air bien d'un con. Hein. Hop, allez, on recommence. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Si on pouvait éviter jeu en pause, évidemment. Tac. On va faire un petit pont par-dessus cette grande route. Bim. Qui ferait ça. Voilà. Ça c'est pas mal. J'aime bien, c'est pas trop haut, c'est pas non plus trop cher. Donc on a un capital de départ qui est relativement bas, hein, donc faites attention à ça au début. Et ça se moque de Bob le bricoleur, il y avait longtemps. Ok, alors, tournons un petit peu la caméra. On va essayer de faire en sorte de pas être trop rectiligne pour pas être trop relou, pas être trop chiant. Mais il va pas falloir non plus trop s'étendre non plus pour pas payer trop cher notre début de partie, ça serait dommage. Est-ce qu'on est bon? Oui, tout va bien. Tout va bien. Alors, pour l'instant, c'est relativement dégueulasse.
Mais ça va le faire. Donc en gros, j'explique un petit peu mon schéma de pensée. J'aimerais bien commencer. Oula. Pourquoi il y a un bug là? Ah ouais, c'est pour ça. Je comprends. Oh non! Merde. Alors évidemment, tout effacer comme ça, ça a un prix. Hein. Je ne récupère pas l'intégralité de mes... De mes dépenses. Voilà, ça va mieux. Bon, parce qu'en fait, il y avait un petit problème de sens de la circulation, c'est pour ça qu'il y avait ça apparaissait comme ici. Donc j'étais en train de dire qu'ici, je vais essayer de mettre l'industrie, en fait, pour la mettre assez loin des résidences, parce que sinon, on va avoir des problèmes de bruit et de pollution. Donc c'est un petit peu ça que je vais essayer de faire. Alors, attendez. Du coup, il va peut-être falloir des sens pas uniques cette fois. Faire les choses intelligemment. Hein. Ce qui est un petit peu compliqué pour moi. Vous le constaterez assez vite. Voilà. Donc j'étais en train de dire tout à l'heure que j'avais souvent des problèmes avec le trafic, à gérer le trafic dans une ville... en pleine expansion, puisque le souci qu'on va vite avoir, en fait, c'est les intersections qui vont être bouchées. Ok. Voilà. Donc on a, grosso modo, la première zone industrielle de notre première petite ville qui va être délimitée ici. On va faire une grande route principale. Si je le peux. Tac. Ça a tendance à me perturber quand c'est pas trop droit. Donc c'est normal de me voir essayer de faire et refaire les endroits. Ok, bon. Ensuite. Qu'ensuite on va délimiter un petit peu un petit quartier résidentiel par ici. Où est-ce que j'en suis? 42 000 crédits, ça va. J'ai encore. Ah. Ok. Bon, très bien. Au niveau électricité, la première ressource primaire, en fait, les premières ressources primaires dont vous allez avoir besoin en début de jeu, évidemment, ça va être l'électricité et l'eau. Le moins cher en termes de production électrique, ça va être l'éolienne, évidemment. L'éolienne qui est quand même assez dépendante du vent et de la force du vent. Elle est capable de produire jusqu'à 8 MW d'électricité. En fonction de la zone de vent. Donc vous voyez cette tache plus foncée ici, c'est la zone la plus rentable où placer votre éolienne. Le problème, c'est que l'éolienne, évidemment, fait du bruit. Du coup, essayez de pas la placer à un endroit qui est très résidentiel, sinon vous allez avoir des problèmes de nuisance sonore. Donc on va la placer ici. Ensuite, hop, l'eau. Vous avez votre station de pompage qu'il va falloir placer en fonction du courant de l'eau, évidemment. Là, vous le voyez, ça part ici vers le haut de la map. Derrière, il va falloir placer en fait votre évacuation d'eau usée et donc pas faire l'erreur de mettre votre évacuation d'eau usée au-dessus de votre station de pompage, parce que sinon votre station de pompage va pomper des eaux usées et les amener à la population qui va devenir malade, etc. etc. Donc, bon.
Vous me direz, c'est somme toute logique, mais ça serait con de faire l'erreur. Tac. Alors évidemment, il faut tous les deux les raccorder au courant, comme nos zones résidentielles, industrielles et commerciales. Donc, en parlant de zones résidentielles, on va en faire une. J'aurais dû faire une énorme route en fait ici. Je pense que c'est le mieux. C'est ce que j'avais de mieux à faire à mon avis. On va faire une zone courbe. Tac. Et... Ah, j'aime pas quand c'est pas droit. Tant pis. C'est pas grave. Ok, alors. Zone résidentielle. Tac. Bon, c'est pas optimal, mais c'est pas grave. J'essaie de faire assez rapidement quand même. J'essaie de lire un petit peu vos commentaires, mais ouais, je suis un petit peu absorbé dans mon truc, comme vous pouvez le voir. Hop! Donc là, on est plutôt pas mal. Va juste falloir que je mette un câble électrique. Qui rejoigne mes zones, évidemment. Alors, ça coûte très cher. Oh putain! Ok! Tout ce que j'ai fait là, ça m'a coûté 30 000 crédits. Bon, on va peut-être essayer de se calmer alors. Donc première chose évidemment dont on va avoir besoin, c'est la zone résidentielle. Pour peupler un petit peu cet endroit. On va essayer d'y aller petit à petit. Voilà. Faut quand même que je raccorde tout ça avec de l'eau. Ok. Donc il faut quand même de l'électricité jusqu'à la zone industrielle. Bon, on va press play et voir ce que ça donne. Ok, c'est bon. C'est pas raccordé en électricité. Si, c'est bon, c'est raccordé en électricité. Au niveau de l'eau, où en est-on? C'est bon. Nickel. Et nos premières maisons qui sont en pleine construction. Ah, la magie du City Builder. Évidemment, les maisons ne peuvent pas être construites en dessous des câbles électriques. C'est la logique même. Vous voyez quand même qu'on perd, en coût de maintenance, on perd 600 crédits par semaine, ce qui est quand même assez énorme. Oui, effectivement, je peux accélérer le temps, mais pour l'instant, ça va pas nous être utile. On profite un petit peu de la construction de ces premières maisons. Ok, on va pouvoir multiplier un petit peu plus les zones industrielles. Les zones, pardon, résidentielles. Alors, comme vous voyez, en fait, j'essaie de développer la zone résidentielle, en fait, parce que chaque zone qui est dotée de courant électrique va le faire passer, en fait, à la zone qui lui est adjacente. Du coup, c'est comme ça que je compte en fait développer le... faire arriver le courant ici plutôt que de dépenser en fait énormément d'argent dans des câbles électriques qui sont quand même relativement chers. On va leur donner leur premier
Ouais, non, ça c'est ridicule par contre de le mettre là. On va pas le mettre ça là, on va mettre plutôt ça là. Les premiers commerces de la ville. Alors pourquoi je veux pas le mettre là en fait, c'est simple, c'est parce que là j'ai juste une voie à sens unique, donc ce qui fait que la zone résidentielle ne va pas pouvoir être desservie ici, donc c'est ridicule d'aller à cet endroit-là, tout simplement. Ok. Donc on va poser la zone industrielle ici. On va quand même mettre une voie d'accès qui amène la zone résidentielle, les habitants de la zone résidentielle ici. Parce qu'évidemment, les habitants de la zone résidentielle vont avoir besoin d'un travail. Et les premiers, le premier travail, le premier job qu'on va pouvoir leur donner, en fait, c'est dans la zone industrielle, tout simplement. Voilà. Là-dessus, on devrait être bon. On va faire comme ça. Voilà. Regardez, là, on perd 1000 1000 crédits par semaine et on en a déjà plus que 3000. Donc on va être dans le rouge. C'est, on va dire, normal en début de partie. Enfin, en tout cas, c'est... Je le vis pas comme un échec, ne vous en faites pas. Je me souvenais pas qu'un city builder c'était si stratégique pour construire un bâtiment. Non, mais j'essaie de pas faire de conneries en début de partie. Parce que comme tu le vois, l'argent part très très rapidement et c'est dommage de le gâcher. Alors, on va leur mettre un petit peu plus de commerce. Alors, vous voyez l'industrie qui commence à débarquer dans la ville. Ici. Alors c'est marrant quand on s'approche de la zone, on entend le cuicui des oiseaux. C'est plutôt cool. Nos premiers centres commerciaux viennent d'arriver. Vous voyez, c'est pas du tout le même bruit qu'on entend. Hein. Évidemment, quand on s'éloigne, on entend plus un bruit diffus, un bruit de ville. C'est plutôt cool, c'est plutôt bien vu, je trouve. Voilà. Alors, voyons voir. Ici, donc, couverture électrique. On en consomme 2 mégawatts par semaine et on en produit 7 mégawatts. Donc aucun problème de ce côté-là. Au niveau production d'eau, on en consomme 3000 mètres cubes par semaine. On en produit 120 000. On produit 3600 mètres cubes par semaine d'eau usée et on peut en évacuer 120 000, donc on est très bon là-dessus. Au niveau du bonheur des habitants, c'est pas génial. Au niveau du bonheur résidentiel, c'est normal. Il y a encore aucun. Il y a encore. Merde, j'ai plus d'argent et il n'y a pas d'eau ici. Très con. C'est très con, Mordrin, ce que tu as fait. Donc en attendant, on va supprimer cette zone-là. Supprimer cette zone-là, puisqu'évidemment, elle n'est pas couverte en eau potable. Plutôt ballot. Tant pis. Hop. Alors, la situation de la carte du vent. C'est dommage, il y a tout un endroit du pan résidentiel qui va être. Qui aurait pu servir à un parc d'éoliennes. Mais pour l'instant, ça va. On n'aura pas besoin de. Enfin, si, on en aura besoin d'environ une dizaine à terme. Jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par quelque chose de mieux, donc c'est pas grave. Donc ça c'est la carte du trafic routier, pour l'instant évidemment tout est au vert, hein, mais ça va vite rougir plus tard, vous le verrez. Ok. Ah merde, putain, il y a besoin d'eau là aussi. C'est con. Ah, voilà ce que je vais faire. Tac. Je vais baisser le budget électrique, le budget électricité et le budget eau.
qui me coûte très cher pour l'instant, mais on produit tellement de toute façon que j'ai pas besoin de d'avoir un budget aussi énorme, du moins en début de partie. Donc ça va limiter un petit peu nos frais. Non? Oh oh. Ouais, pourtant c'est bon là. Ah, ça, c'est bien ce que je me disais. A priori, vous avez des problèmes sur le live. Ça doit être lié à votre connexion. Moi, j'ai aucun problème de drop. Hop. Alors, est-ce que... Ouais, je peux ajouter une zone résidentielle ici. Puisque là, il y a de l'eau. Donc, ça va bien. Alors, j'en ai pas encore parlé, mais en fait, le jeu fait étape par étape. En fonction de l'agrandissement, en fait, de votre population, vous allez débloquer, en fait... un certain nombre d'ameublements, enfin d'aménagements pour votre ville. Donc là pour l'instant je suis un tout petit village, donc d'une population en dessous de 500. À partir du moment où j'atteindrai le 500e habitant de la ville, je deviendrai un petit hameau qui débloquera donc le système d'imposition, le système de prêt et tout ce qui est lié donc à la déchetterie, à la santé et l'éducation, donc la première école élémentaire, la clinique et le site de décharge. Donc pour ça, il va falloir prendre un petit peu notre mal en patience, sachant qu'on gagne pour l'instant une trentaine d'habitants par semaine. Donc ça le fait. Regardez, il y a des gens qui se pressent pour venir emménager chez nous. Donc c'est cool, notre population va monter petit à petit. Ok. Et niveau résidence, je peux pas trop en ajouter plus... Étant donné que je ne peux pas les couvrir en eau potable pour l'instant. Qu'on va en ajouter le maximum. Voilà. C'est à peu près tout ce que je peux faire pour développer ma... Là, regardez, on a une partie de la zone industrielle qui manque d'électricité, c'est qu'on n'en produit pas assez. Ou juste assez pour convenir à leurs besoins. Donc on va augmenter un tout petit peu le budget. Et ça va le faire. À tout des coups, des gens qui se pressent pour aller à Mordrenland. Là, il faudrait trouver un nom à notre ville. Qui pour l'instant s'appelle Rockwood. Ce qui est pas génial. Ok. Ah, on consomme plus qu'on ne produit, encore une fois. Je vais encore augmenter le budget. Mettre à 90% de capacité. Ça devrait le faire. Voilà. On produit 6 mégawatts, on en consomme 5. C'est bon. Alors, évidemment, là, ça devient critique au niveau de l'eau. Donc, les gens vont déménager. Ce qui est plutôt dommage. Mais... C'est la connerie que j'ai fait. Alors, ça y est. On commence à revenir dans le positif. Donc il faut qu'on gagne à peu près 1500 balles pour que je puisse enfin raccorder de l'eau potable ici. Une ville très démocratique, tenue par le grand président, roi, maréchal, guide, suprême à vie, Mordren le sublime, nous dit Consulus Mega. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Donc on a besoin d'ajouter des résidences. Donc ça va le faire petit à petit. Regardez, notre population a déjà bien bien augmenté. On gagne 60 habitants par semaine. Ce qui est vraiment cool. Et on commence à gagner un petit peu plus d'argent. Évidemment, plus il y a de gens, plus nos revenus sont élevés. Et plus on pourra les imposer, évidemment. Niark, niark, niark. Donc c'est cool.
Ça va le faire. Regardez cette petite aire résidentielle avec les voitures garées un petit peu partout. Heureusement d'ailleurs que ce sont des voies à quatre voies, enfin des routes à quatre voies, parce que sinon je sais pas comment les gens pourraient circuler ici. Voilà, on est toujours au vert niveau trafic. On consomme un petit peu plus qu'on ne produit là. Il va falloir un jour penser à mettre une deuxième éolienne ou alors à augmenter. Devrait augmenter le budget alloué à l'électricité. Le bâtiment est abandonné évidemment, puisqu'il n'y a pas d'eau. Donc nos amis ne sont pas contents. Les bâtiments abandonnés, il faut savoir que ça déplaît au voisinage. Ah merde. Hein? Bon bah pardon. Je remets, t'inquiète. Ça déplaît au voisinage qui se dit « Oh, ça me déprime d'avoir un bâtiment inhabité en face de chez moi. » C'est comme ça que ça marche. Voilà, ça y est, j'ai enfin de l'eau. Donc les bâtiments abandonnés, il faut les raser, en fait, soi-même. Donc y prêter relativement attention. Sans quoi vos habitants vont être... vont pas être forcément très contents. Très heureux, en tout cas. Mais on peut les comprendre. Vous voyez, là, j'ai un income, pardon. Je génère des revenus de 600 crédits par semaine, ce qui commence à être assez légitime. Mais il va falloir, évidemment, plus ma population augmente, plus j'ai besoin de produire de l'électricité. Comme ta barbe, faut les raser. Mais si tu voyais ma barbe en ce moment... Ok, on est tout juste à l'équilibre niveau électricité. Alors c'est dommage, c'est l'industrie qui en pâtit le plus vite, évidemment, puisque c'est la plus éloignée. C'est la plus éloignée de notre éolienne. Hop. Alors, on a besoin de masse. Masse résidence. Donc là, avec tout ça, ça devrait le faire. On a besoin d'un petit peu de commerce. Non, Mordrain, tu ne joues pas à StarCraft. Et heureusement, d'ailleurs. Parce que ça serait autrement plus stressant. Vite, vite, le Zergrush. Est-ce qu'on est bon? Non, on n'est plus bon. Ah, félicitations! Nous avons atteint le stade du petit hameau. Nous avons atteint la population de 500 personnes, 500 ouailles. On a débloqué donc les impôts, les prêts, la déchetterie, la clinique médicale et l'école élémentaire. Donc je vais pas vous faire un dessin, mais concrètement l'éducation vous permet d'avoir des habitants qui sont plus instruits et qui du coup vont générer plus d'argent et pourront, une fois que vous aurez débloqué le collège et l'université, pourront travailler dans les bureaux que vous débloquerez plus tard dans votre aventure. Alors évidemment, on vient de débloquer tout ça. Ça serait con de ne pas s'en servir. Première chose qu'on va faire, c'est la déchetterie, je pense. Déchetterie qui coûte 4000. Alors, le problème de la déchetterie, évidemment. Donc, vous voyez cette zone violette, là. C'est la zone, en fait, de pollution autour de la déchetterie. Donc, évidemment, ça serait vraiment très con de la mettre à côté de résidence. Puisque qui dit pollution, dit... pollution des aliments,
dit votre population va être malade. Donc c'est toujours un peu compliqué de gérer une population malade. Donc toujours faire attention à la mettre à un endroit qui craint moins en termes de pollution, donc typiquement l'industrie. Donc c'est là que je vais mettre ma déchetterie. Autre point, vous voyez là, quand j'ai mis ma déchetterie, en fait, les routes se sont illuminées de vert. Ça veut dire, c'est en fait la zone que couvre la zone de ramassage que couvre la déchetterie. Donc c'est toujours bon à savoir, surtout s'il y a des points où le trafic est trop intense pour laisser passer les camions. Il faut toujours faire très attention à ça. La santé. On a une santé moyenne de 53% chez nos amis. Donc on va évidemment en placer une clinique médicale. Donc même chose, tout ce qui est vert, ça veut dire c'est la zone de couverture des ambulances. Évidemment, ça coûte très cher, mais ça ajoute du bonheur à nos habitants. Donc voilà, mais c'est hyper nécessaire. Nous avons 148 de notre population qui est éligible à l'école élémentaire. Évidemment, on va en placer une quand on aura l'argent. Parce qu'on n'a plus d'argent. Et on va peut-être les imposer un peu plus, hein. Voilà. Venez chez Mordrain, vous paierez des 1000 et des 100. Donc ça, c'est le panneau d'imposition, hein, tout simplement. Donc on va essayer de gagner un petit peu d'argent pour augmenter les revenus et du coup augmenter notre... Alors, j'ai toujours un problème de production électrique, c'est ça? Oh, mon Dieu. Bah, je pense que la priorité, ça va être l'énergie. Puisque là, si je mets à 150% du budget, j'arrive toujours pas à la consommation électrique. Je suis à 9. Ouais. Il faut que je dépense de l'argent pour une nouvelle éolienne. Désolé les générations futures. Ça sera de l'énergie à tout prix. Et plus tard, plus tard, l'école. Vous apprendrez des choses plus tard, ok? Qui a dit que les leçons d'histoire, c'était important? Bob le Ricoleur, tu vas acheter GTA 5 sur PC? Alors, certainement pas Day One, certainement pas le jour de la sortie, c'est trop cher. Je te rappelle que je l'ai sur PS3, que je l'ai toujours pas terminé. Donc je suis pas sûr que ce soit nécessaire de l'acheter tout de suite. Donc j'attendrai clairement mon tour là pour le coup. Hop. Alors pour l'instant notre population n'est pas ne s'insurge pas face au poids des impôts locaux. Mais ça viendra. Vous le verrez hein, quand on aura des problèmes d'imposition, ça sera écrit partout sur la map. Mais pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Si c'est pour pas y jouer, c'est peut-être pas la peine, effectivement, d'acheter GTA V, comme tu dis. Comme tu le dis, Tyran. Hop. Donc là, c'est pas mal. On gagne 1500 crédits par semaine. Donc on va très vite pouvoir se permettre d'acheter une... Une école. Parce que je rappelle évidemment que tous ces services publics nous coûtent de l'argent. Hein. C'est montré dans notre gestion du budget. Voilà, il y a un budget pour la déchetterie, un budget pour les hôpitaux, enfin la clinique, et un budget évidemment pour l'éducation. Donc, regardez par exemple, là ça coûte assez cher notre système de santé. On va peut-être baisser un petit peu les frais. Au niveau de la déchetterie, ouais, je pense qu'on peut se permettre de baisser le budget. C'est pas
pas comme si t'avais une liste longue comme le bras de jeux à finir. Effectivement, mais le truc en fait, c'est que j'achète plein de jeux, mais plein de jeux infinissables, comme Cities Skylines. Mais pour le coup, je regrette pas du tout d'avoir acheté Cities Skylines, c'est vraiment juste très cool. On va mettre un petit commerce ici. J'essaie en fait de les espacer. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les zones commerciales, il y a des camions qui font le ravitaillement des magasins. Et évidemment, s'il y a trop de camions dans une même rue, vous allez générer des bouchons. Du coup, faire très attention à ça. Salut Viers! Ah! Problème d'eau dans la zone industrielle, je me rappelais bien que je l'avais pas couverte. Voilà. On va couvrir cette zone aussi. Et quasiment toute la zone industrielle, toute la zone résidentielle sera couverte. On va pouvoir la développer un max. Ok, on en est où niveau consommation électrique? Ouais, c'est bien ce que je me disais, ça monte en flèche, hein. Il va falloir probablement mettre une troisième éolienne. Ok, donc on produit bien. Au niveau de l'eau, c'est pas mal. Ah, j'ai débloqué l'onglet pollution. Regardez comment ça marche. Alors pour l'instant, voilà. Pour l'instant, la seule zone qui pollue vraiment, c'est la zone industrielle, ce qui est logique. Alors, à savoir que plus tard, vous allez pouvoir débloquer les zones industrielles agricoles qui polluent beaucoup moins. Les zones industrielles forestières, forcément, déforestation, c'est mal. Les zones industrielles minières et pétrolifères, donc qui utilisent le pétrole, bien sûr. Mais là, pour l'instant, je n'ai accès qu'à cette industrie qui pollue. À savoir que cette station d'évacuation des eaux usées va petit à petit déverser des eaux usées dans la rivière. Donc c'est pour ça qu'il fallait que je mette la station de pompage de l'eau en amont. Sinon, ça aurait été particulièrement con. Voilà, autre chose que j'ai débloqué, c'est voilà les. La pollution sonore, l'onglet de pollution sonore, regardez, voilà, au niveau de la zone industrielle, évidemment, il y a beaucoup de nuisances sonores, au niveau des éoliennes également, mais un tout petit peu au niveau de la zone résidentielle. Pourquoi? Parce que j'ai mis des commerces. Voilà, on vient de passer la prochaine étape. L'étape suivante, c'est aller relativement vite, hein, vous l'avez vu. Joli village, atteindre une population de 1000 personnes. On va pouvoir débloquer les zones qui sont adjacentes, enfin la première zone qui est adjacente à la nôtre. Débloquer le système de quartier que je vais vous montrer. Le système de politique de quartier également. Un deuxième prêt, mais ça, j'ai pas envie de l'utiliser. Les spécialisations d'industrie dont je viens juste de vous parler, les politiques de service, donc ça c'est pour plus tard, mais aussi les bâtiments que sont le commissariat de police et l'antenne de pompiers. Voilà, c'est plutôt cool. Pour l'instant, on a débloqué les spécialisations agricoles et forestières. Donc on va voir si on peut s'en servir. Regardons par exemple au niveau des ressources naturelles qui sont dans notre carré, on n'en a quasiment pas en fait. On a un petit peu de bois et c'est tout. La zone agricole, la meilleure zone agricole qu'on pourrait avoir, elle est ici. Mais il faut débloquer le carré qui est juste ici. Alors comment ça marche? Débloquer les carrés, c'est comme ça en fait. Les carrés qui vous sont adjacents, vous pouvez les acheter pour la modique somme de 3600 crédits. Bon, pour l'instant, c'est pas dans mon intérêt puisque je n'ai pas encore utilisé l'intégralité. De ce carré de toute façon.
Toc. Donc ça, on s'en fout pour l'instant. J'ai pas de quartier. On produit pas assez d'électricité. Bon, alors. Mettons notre troisième éolienne. Toc. On va mettre notre école, tout de même. On va peut-être pas la mettre à un endroit où il faut raser une... Je vais la mettre là. Parce qu'elle couvre grosso modo l'intégralité de notre zone résidentielle et c'est le mieux. C'est le mieux que j'ai à faire pour l'instant. J'ai 262 personnes qui sont éligibles à l'école élémentaire, donc profitons-en. La station de police, elle coûte 12 000 quand même, hein. Je pense que la priorité, c'est plus les pompiers. Qu'on va mettre là. Ok. On va rajouter des résidences. Est-ce qu'au niveau... Oh, c'est bien ce que je me disais. On ne couvre pas l'école. Ça serait dommage que nos élèves ne puissent pas s'hydrater. Hop. On va délimiter des quartiers. Alors regardez comment ça marche. C'est hyper simple. Donc typiquement là, ça va être mon quartier résidentiel. Que je mets ici. Et puis ici, vous allez avoir le quartier industriel. Alors pourquoi c'est important en fait? Parce que vous pouvez appliquer des politiques de quartier qui sont différentes en fonction des quartiers. Donc regardez, je clique ici. Ça va m'ouvrir l'onglet des politiques de ce quartier qui s'appelle Square Myrte. Donc je peux appliquer par exemple une politique de faites attention à votre consommation électrique. Ça va me coûter 5 crédits par bâtiment, mais ça va réduire de façon modérée la consommation électrique du quartier, ce qui est plutôt intéressant. Vous avez réduire la consommation d'eau et également ça me coûte 5 crédits par bâtiment. Vous pouvez distribuer un détecteur de fumée qui réduit évidemment le risque d'incendie, mais bon, je trouve que ça coûte relativement cher pour un début de partie. Et pour l'instant, on n'a pas encore eu vraiment de problème d'incendie. On vient juste de poster notre antenne de pompier qui n'est pas reliée au courant, on dirait. Intéressant ça. Ah, c'est que je produis pas encore assez d'énergie. Si, c'est bon. On est nickel. Voilà. Cool. Ok. Donc ça c'est bon. Regardons l'onglet criminalité. On est à 1% de taux de criminalité. Je pense qu'on peut se permettre de passer la main sur le commissariat. Salut Octave. On retrouve les habitués, c'est cool, effectivement. Genre tu fais Brooklyn, Chinatown, etc. On peut, effectivement. Moi perso, je me sens délaissé parce qu'il ne regarde plus le live depuis 5 minutes. Oh mon pauvre Virs. Oh là là, quel attention whore. On gagne 1800 crédits par semaine, c'est relativement bien. Enfin, c'est pas trop mal. On commence à sentir que le trafic augmente dans cette petite zone-là, évidemment. Sans grande surprise. Bon, le risque d'incendie est à 40%, donc ça va. Ça devrait le faire. Ok. Vous voyez évidemment que tous ces bâtiments me coûtent de l'argent par semaine, hein, c'est logique. On va mettre ça là.
mettre celle-là aussi, tiens. Tant qu'à faire. Alors, on nous demande un petit peu d'industrie supplémentaire. Je vais mettre ça. Où est-ce que je vais mettre ça? J'ai besoin d'affection. Non mais qu'est-ce qu'il faut pas lire, je vous jure. Ah, problème d'eau. Ah ça y est, on consomme plus d'eau qu'on en produit, donc on va tout simplement augmenter le budget. Je rappelle qu'on l'avait baissé au début de la partie exprès, pour pas perdre trop d'argent. Il faudrait que je développe ma zone industrielle. La vitesse papy. Non, en fait, à chaque fois que je passe un niveau de ma ville, en fait, elle se remet à la vitesse standard. Donc j'ai plutôt l'habitude de jouer en vitesse moyenne. En ce qui me concerne. Consulus, espèce de malade. Alors, donc on arrive bientôt à 12 000. 10% de taux de criminalité. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la peine d'investir dans tout de suite dans le commissariat de police? Est-ce qu'on le fait pour le fun ou est-ce qu'on attend? Je suis tout oui. Alors je vais pas répéter ça, mais ça me fait beaucoup rire. Hop, développons les résidences, hein, évidemment. Consommation électrique. Alors c'est un peu vite revenu, hein, tout le temps, de mettre des éoliennes partout, mais c'est comme ça. Il faut faire avec les demandes du peuple. On a besoin... Ah, juste cet endroit, pile cet endroit-là. Qui n'est pas couvert en eau, c'est quand même plutôt con. Voilà. Un bâtiment a augmenté de niveau. Alors les niveaux, en fait, c'est tout simplement des bâtiments. En fait, plus le temps passe, plus un bâtiment gagne en niveau. Si la population qui est à l'intérieur est heureuse, évidemment, plus le niveau est élevé, plus ce bâtiment va vous rapporter. En termes de revenus, voilà. Tu devrais faire tes canalisations, ça coûte de l'entretien. Non, oui, effectivement, c'est pour ça que j'essaie d'en limiter à mort. Alors regardez, premier incendie qui s'est déclaré dans la ville. Est-ce que nos pompiers vont être réactifs? Pour l'instant, ils se touchent la nouille, que font-ils? Qu'est-ce qu'il faut? Ah, allez, voilà. Quelle classe! Tant de classe dans cette force de pompiers! Voilà, tout va bien, tout s'est bien passé. Félicitations, petite agglomération, j'ai atteint la population de 1500. J'ai débloqué les services de décoration qui évidemment augmentent le bonheur de nos habitants.
Les bâtiments uniques de niveau 2, ça on s'en fout pour l'instant puisque je les ai pas débloqués. Les nouvelles politiques, interdiction des animaux, interdiction de fumer, les parcs et les loisirs, et j'ai débloqué le collège. Le collège évidemment, qui va nous permettre de former des étudiants pour l'université qu'on débloquera plus tard. Je crois que c'est au niveau de 7500, 7500 de population. Ok, donc là, nous sommes en besoin de commerce et de résidence. Mais je trouve qu'on se sent un petit peu à l'étroit. Je trouve qu'on se sent plutôt à l'étroit. Donc il faudrait un petit peu développer notre ville. Alors, j'ai pas très envie de la développer par ici. J'aurais tendance à mettre un petit peu plus d'industrie par là. Je ne sais pas. On verra. On verra plus tard, je pense. Alors, non, ça c'est con. On va peut-être plus faire ça. Alors, vous avez vu, hein, pour faire passer cette route, j'ai dû... Hein... Oh fuck. J'ai dû raser une petite habitation. Sniff. Voilà. Très bien. Alors je rase, mais c'est pour leur bien. C'est pour le bien de la communauté. Voilà, donc là, au niveau des canalisations, on est nickel. Quand j'ai bugué, Mordred avait 7000 euros et là, il en a 30 000. Oui, pourquoi? Parce que, en fait, à chaque fois qu'on gagne un niveau, on nous donne des subventions. Donc c'est tout à fait normal. Non, je n'ai pas triché. Et mon jeu s'est remis en vitesse standard, évidemment. Vire, c'est tellement cruel. Au pire, les gens, ils avaient qu'à pas habiter là, hein. Fais tes canalisations parallèles, ça sera mieux. Bon. Ça va, on se débrouille. Production électrique, on en produit 30 mégawatts pour... Ah, consommation de 29, ça a vite augmenté. Pour l'instant... Ah ouais, j'ai 326 personnes qui sont éligibles à l'école élémentaire, mais j'ai une capacité que de 300. Peut-être augmenter le budget de l'école, je pense que ça joue. Ouais, non, peut-être pas. Donc ça, j'ai vu. On va mettre des décorations, si je le peux. Voilà. Les décorations, en fait, ça augmente le bonheur de nos habitants. Et ça leur permet une petite récréation le week-end ou le soir pour aller promener les enfants, le chien, etc. Alors, vous voyez, ici, on a un problème de criminalité. Donc, il serait peut-être temps
de faire débarquer notre force de police. On va la mettre là d'ailleurs. Voilà. Allez, taux de criminalité 26% hein, tout de même. Ça a plutôt vite augmenté. Pour l'école, il vaut mieux en faire une autre, oui, effectivement. Mais vu que là, ça coûte quand même 10 000 balles. Bon. Effectivement, Viers, on fait débarquer la police nationale. Vos papiers, s'il vous plaît. Et regardez, voilà, la police qui fait s'évaporer la criminalité. Et rien qu'en passant, une petite patrouille de police et c'est bon. On est bien. Nickel. Hop, alors, consommation électrique. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout ça. Toc. Voilà. C'est moi, elle tourne. J'ai cru qu'elle allait pas tourner parce qu'elle était trop proche de l'autre éolienne. J'ai eu trop peur. Alors, on a besoin de commerce. On a besoin de commerce ? C'est pas grave, aucun problème. Voilà, Mordren me change. Qu'est-ce que vous racontez ? Ah ok, tu parles de Fantasio 974, j'imagine. Ok, donc pour l'instant, on est bien. Il faut que je développe quand même la zone industrielle. C'est le seul truc qui nous manque pour l'instant. On va la faire là, je pense. Ok. Donc, zone industrielle, allons-y. Nous y voilà. Ah, et par contre, il va falloir passer un câble électrique. Vu que la zone n'est pas du tout... n'est pas du tout reliée à quoi que ce soit d'autre. Hop. La pub de Mordrenland, ça sera Mordrenland. Payez cher les taxes. Je raserai vos maisons telle ma moustache. Et vous n'irez pas à l'école. Non, ça y est, il y a une école maintenant. Hein. Calmez-vous. C'est quoi cette nouvelle forme géométrique? Eh, écoute. Y a aucun mal à laisser parler sa créativité, Virz. Hein. Je vois pas le problème. Ah, on s'amuse. À quand un lieu de culte pour le Saint Bâton Rouge? Écoute, je n'ai pas encore vu de lieu de culte. Et pourtant, j'y ai joué une quinzaine d'heures à ce jeu et j'en ai pas encore vu. Mais peut-être qu'il y en a. Quel cas, je ne le sais pas. Est-ce qu'on est bon niveau trafic, là? Ça a l'air pas si mal, hein, franchement. Ça a pas l'air si mal. Donc on a besoin de plus... de commerce. Il nous faut plus de commerce! On va les mettre là.
Et là-dessus, je pense qu'on est pas mal hein, quand même. Je trouve que notre partie a vite décollé. Salut Narga, à plus, merci d'être passé. Oh, tu vas que carrément me mettre. mettre un temple, un palais, écoute. Si tu veux. Problème de consommation électrique, sans grande surprise. Sans grande surprise. Là, ça doit être bon. Ok, très bien. Ben, je préfère rajouter des éoliennes plutôt que d'augmenter le budget indéfiniment de la ville en électricité. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Hop. On va faire un nouveau commerce par ici. Ah, j'aime bien me compliquer la tâche, voyez-vous. Ah ! Un autre incendie ! Mon Dieu, que se passe-t-il ? Mais que font les pompiers ? Alors, normalement, ils sont juste à côté, voilà. Voilà, les pompiers. Alors, le grand drame que j'ai eu dans mes précédentes parties de City Skylines, c'est que mes pompiers étaient coincés dans le trafic. Ce qui fait que bah, j'avais du mal à empêcher de cramer mes bâtiments. C'était plutôt dommage. Et bah voilà! Pour l'électricité, je te suggère de faire appel à Palpatine et son pouvoir! Son pouvoir illimité! Voilà, très bien. Et on gagne 3500 crédits par semaine. C'est plutôt bien. Est-ce que l'autre zone industrielle est couverte? Elle n'a pas l'air très couverte par les pompiers. Ça m'inquiète. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ça en quartier. Dans le quartier, et on va baisser... Enfin, on va... Oui, on va baisser le... Le risque d'incendie. Interdiction de fumer. Légère augmentation de la santé réduit légèrement le bonheur. Non, ça c'est pas ça. C'est plus distribution de détecteurs de fumée. Ça coûte 5 crédits par bâtiment. J'avoue que j'ai du mal à savoir combien il y en a là, mais... je pense que c'est ce qu'on a de mieux à faire. Un problème de consommation d'eau. On consomme plus qu'on ne produit. Donc allons-y. Et... Voilà. Putain, la consommation électrique, ça grimpe tellement vite. C'est fou. Peut-être augmenter le budget de la déchetterie. Maintenant qu'on commence à avoir une ville qui est à peu près potable. On va remettre une éolienne, hein, je suis désolé, mais on a que ça à faire pour l'instant. C'est que je développe ma ville tellement vite, en fait. Il y a vraiment beaucoup d'habitants en très peu de temps. Prochaine étape, c'est 2600. Ok, commerce encore. On va en mettre là. Bon, 2000 habitants, c'est la campagne.
Tu n'as pas d'autres moyens de production électrique? Si. J'en ai un tout de suite là, mais qui coûte cher. C'est la centrale à charbon, mais elle pollue. Du coup, je la laisse un petit peu de côté. Mais plus tard, en fait, on débloquera les éoliennes avancées, par exemple. Une éolienne avancée, en fait, tu la mets dans l'eau. Ici, en fait. Et ça produit jusqu'à 20. Je crois que c'est jusqu'à 20 mégawatts. Donc c'est très. C'est très rentable, ça coûte très cher, mais c'est rentable. Par contre, il faut être près d'une zone maritime assez, assez large quand même, donc ce qui n'est pas mon cas. Donc là, dans la rivière, je pourrais pas les mettre, par exemple. Alors, dans tout ça, on n'a pas construit de collège. Il faudrait probablement faire une nouvelle école élémentaire. Parce qu'en termes de capacité, on n'est pas génial. Santé, c'est pas ouf. J'ai pas beaucoup de personnes qui sont couvertes. Je l'ai un peu mal mis, je pense. Alors, il y a une fonctionnalité qui est géniale dans ce jeu. C'est que vous pouvez déplacer, en fait, les bâtiments que vous avez créés. Ça, j'adore. Clinique médicale, regardez. Transférer bâtiment. Donc je l'enlève et je peux le replacer où je veux. Mais le fait est que ça couvre pas beaucoup plus de population, donc je vais le laisser là en fait. J'ai pas de 4G dans ma ville, effectivement. En tout cas, dans ma ville virtuelle. À Paris, il y a quand même le réseau 4G. Alors, je résume pour les gens qui sont en VOD sur YouTube. En fait, là, les gens sur le stream sont en train de s'invectiver en mode « Ouais, toi, t'es un bouseux parce que tu vis à la campagne, mais toi, t'as pas de 4G et tout. » C'est plutôt drôle. Hop. Quand même de gros besoins en termes de résidence. Niveau trafic, qu'est-ce que ça donne? Ah, toujours pas mal. C'est toujours pas mal du tout. Alors, ça y est, on vient de débloquer 2600 de population, on est devenu une agglomération florissante. On a débloqué le service de transport avec les bus, la spécialisation dans l'industrie minière, mais ça ne me concerne pas puisque j'ai pas de ressources minières tout de suite. J'ai débloqué les nouvelles politiques de recyclage, d'utilisation ludique, débloqué des nouvelles routes, notamment l'autoroute, les bretelles d'autoroute et les échangeurs, donc ça c'est plutôt cool. Les nouveaux bâtiments, évidemment, le dépôt de bus, le cimetière et l'éolienne avancée que je ne vais pas pouvoir utiliser malheureusement. Et j'ai pas répondu totalement à ta question tout à l'heure, mais oui, effectivement, il y a d'autres. Il y a une centrale hydroélectrique, par exemple, vous faites un barrage sur votre rivière et vous pouvez utiliser, enfin convertir l'énergie kinétique de l'eau pour la convertir en eau. Donc ça c'est plutôt cool, ça coûte cher mais c'est plutôt cool, mais c'est surtout qu'il faut le débloquer, ça se débloque très très tard, hein. C'est à 11 000 de population, vous avez une centrale solaire évidemment, ça coûte 20 000, et la centrale nucléaire qui coûte 200 000, pardon, la centrale solaire elle coûte 80 000 mais ça coûte 20 000 de population, donc on n'en est pas encore là, on a deux incendies qui se sont déclarés en très peu de temps. Et ça, c'est pas cool. J'espère que nos pompiers sont sur le pont. Hop. Ah merde. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Où est-ce qu'on en est niveau production d'eau? C'est bon. Tac. D'ailleurs, j'ai peur que cet incendie-là soit pas du tout couvert par nos...
par nos pompiers, par contre. Cela me fait peur. Qu'est-ce que vous racontez? Ah si, c'est bon. On a un pompier qui va gérer la situation. On a un autre pompier qui est bloqué derrière le camion de la déchetterie. Plutôt dommage. Oh là, putain, mais décidément, les incendies, ça y va, là, dans le coin. J'espère que tu vas gérer, camion. Je compte sur toi. C'est bon. Maintenant, tu passes par là, vite. Retourne pas à l'antenne de pompiers, je te défonce, sinon. Allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que t'attends? Mais bouge-toi le cul! Qu'est-ce qu'il attend? Ah ok, il a enroulé ses tuyaux. Très bien. Bah écoute. Un bâtiment a brûlé, merde. C'est ballot. Et pourtant, c'est pas faux de leur avoir donné des détecteurs de fumée. Hein. Alors, le cimetière. Qu'on a débloqué tout à l'heure. Alors à savoir que voilà, le cimetière, ça plaît énormément à la population. Allez savoir pourquoi. Regardez-moi tous ces smileys contents. Alors il faut savoir que c'est expliqué par le fait que les habitants de votre ville apprécient le fait de pouvoir comment dire, se recueillir sur les tombes de leurs proches décédés. Voilà. Si vous voulez, les amis. Déchets, 16% de remplissage, on est bon. Consommation électrique, voilà, c'est encore pas top, pas top. Le collège, va falloir le créer au bout d'un moment, ce collège. On va peut-être pas le mettre à côté du cimetière, ça serait un petit peu dommage. Est-ce qu'on met... J'aurais tendance à mettre une deuxième école élémentaire, mais... Je me demande, c'est vraiment, vraiment important. On va mettre le dépôt de bus. Ça me semble être important. Le dépôt de bus... Dépôt de bus qu'on va mettre là. Oh mon dieu, ça coûte 4000 balles! Non, l'une pipe! Ok, alors comment ça marche les lignes de bus? C'est relativement simple. Qu'admettons, je veux créer une ligne tout autour de ma zone industrielle. Je crée tout simplement les arrêts et je boucle la boucle. Voilà, ça fait une ligne de bus. C'est aussi simple que ça. Toujours faire attention où se placent les arrêts. Alors évidemment, quand vous placez un arrêt et que ça fait plaisir à la population, c'est que c'est gagné. Alors, on va faire une zone qui part de là. Voilà. Je trouve que le système de transport est plutôt bien géré dans ce jeu. À savoir que je le trouvais assez pénible dans SimCity 4 par exemple. Je trouvais que c'était plutôt mal foutu. Tac. Alors évidemment, si vous mettez un petit peu trop d'arrêts au mètre carré, il va y avoir des embouteillages hein, derrière les bus. Donc il faut prêter attention à ça, évidemment. Voilà, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous racontez?
sont un peu petites tes lignes. Elles sont un petit peu petites tes lignes. Oui, elles sont petites, mais j'essaie de les circonscrire un petit peu à des quartiers définis. J'ai pour voir déjà si elles fonctionnent. Après, j'en ferai des plus grandes, à mon avis. Il aurait peut-être fallu que j'en mette une, par exemple, entre les deux zones industrielles. Ça aurait été plutôt intelligent, je pense. J'en mets une là. J'en mets un là. Un ici. Ah ouais, c'est un peu couillon ça. Tac. Voilà. Là, c'est pas mal. C'est pas mal. Production électrique. 59-59. Évidemment. Raccordons. Ceci. Le dépôt de bus qui a besoin d'eau, hein, parce qu'il faut quand même sustenter nos contrôleurs de bus et nos conducteurs, hein, tout simplement. Faut que je mette une zone résidentielle, t'as raison, Bob le bricoleur. Mais je peux pas la mettre là, en fait, parce que sinon ça va densifier le trafic ici. Donc c'est peut-être pas une bonne idée. Je pense qu'il faudrait peut-être plus mettre ça là. À mon avis. Il y a besoin d'eau dans le cimetière, évidemment. Why not? Si vous le dites. Voilà. Alors regardez, là on commence à avoir des problèmes de trafic ici. Vous voyez, ça c'est un bus de la municipalité. Plutôt stylé. Augmentons les impôts. Oh, allez. Alors je crois que le point de rupture des habitants, c'est à peu près aux alentours de 14-15%. Trafic. Ah, je me disais bien qu'il y avait un problème de trafic. Bon. Ça va, c'est pas encore rédhibitoire. C'est pas encore rédhibitoire, je trouve. J'ai placé mon collège, oui. Bonheur des habitants, on est pas mal, hein. Bonheur industriel, on est 93%. 76% sur les bonheurs résidentiels et commerciaux. Ça, c'est cool. C'est cool. Bon, rajoutons une éolienne, hein, puisqu'a priori, on va avoir besoin que de ça. Ok. Donc ça, c'est bon. Niveau eau, on est bon. Niveau santé, on est à 61% de santé en moyenne. Je trouve pas ça génial. Ah voilà. C'est ça le sigle qui dit je trouve que tu nous imposes un petit peu trop, hein. Donc ça commence à râler au niveau des résidences, c'est normal. Et là, normalement, ça va disparaître. Oui, c'est bien ce que je me disais. Hop, alors. Et si on développait un petit peu plus notre zone résidentielle? J'aurais plutôt tendance à la faire continuer par ici. Voilà. Alors évidemment, on va raser
des maisons dans le processus. Hein. Ça ne change pas. On rase des commerces, tant qu'à faire, hein, sinon ça serait pas marrant. Et voilà. Alors c'est surtout la zone industrielle qu'il faut que je déplace aussi. Enfin, que je déplace. Que j'agrandisse. On fera ça tout à l'heure. Une nouvelle parcelle de terrain est disponible à l'achat. Oui, bon, plus tard. Calmons-nous. Tac. Canalisation d'abord. Soyons logiques. Besoin d'argent tout à l'heure, incessamment sous peu, l'air de rien. Il faut dire que j'optimise pas trop mes canalisations, j'essaie de les faire relativement jolies. Bon, c'est complètement raté, hein, mais c'est qu'en fait, je suis tiraillé entre le fait de 1. Les faire symétriques ou 2. Les faire optimiser. Ce qui est pas du tout la même chose. Donc là, là j'ai choisi de les faire en bordel, hein, très clairement. Voilà, alors. On a un problème de feu ici, est-ce que... Mais que font les pompiers ? Ok, c'est bon. Les pompiers vont gérer la situation. Alors, il y a deux feux en même temps. Ok, ça le fait. Ça le fait. C'est juste la zone industrielle que je trouve relativement mal desservie par les pompiers. J'espère juste qu'en créant une ici, ça va pas... je pense qu'elle va être coupée de tout... de tout sauvetage par les pompiers. J'en ai un petit peu peur. Alors. Faisons notre zone industrielle. Oui, j'aime bien faire des formes géométriques qui n'ont aucun sens. Dans le... dans le contexte actuel de la ville, c'est pas grave, j'en ai rien à faire. L'important, c'est qu'on ait beaucoup de zones industrielles. Pour l'instant. On optimisera plus tard le trafic, je pense. Hop. On commence par ça. On va voir ce que ça donne. Mordren va me faire avoir une crise de maniaco-dépressivité. Et oui, parce que notre cher Octave est plutôt maniaque de la symétrie. Alors évidemment, ce genre de forme ici est un petit peu incongru, si je puis dire, ça lui pose relativement... ça lui pose problème, hein, tout simplement. Mais c'est drôle. Alors, il nous faut quand même un petit peu d'eau. Ah bah très bien, c'est plutôt pas mal desservi ici. Donc tant mieux, profitons-en. Voilà, nos amis du stream n'aiment pas mon octogone. Alors évidemment, on a besoin d'électricité.
L'électricité arrive, mes amis, vous en faites pas. C'est pas comme si vous étiez juste à côté. Alors, par exemple, si vous aviez l'intelligence de construire juste ici, vous auriez pas de problème d'électricité. Mais non, vous me faites chier, vous voulez que je dépense? Ah là là. Bande de cons. Allez, je vous fais confiance. Ça va le faire, non? Oui, ça va le faire. Je pense. Je croise les doigts. Allez. Putain. Ils sont sérieux. Ok. Alors on va les laisser de côté un petit peu. On a un bâtiment qui est inhabité ici. Pourquoi c'est inhabité ici en fait? C'est parce que notre zone de magasin ici a besoin de comment ça s'appelle, de vendeurs qui soient instruits. Et on n'a pas assez de... On n'a pas assez de mecs intelligents, je suis désolé. Donc il va falloir développer un petit peu le réseau d'éducation. Bah, par exemple, on va mettre une belle petite école dans le coin, non? Ça me paraît être une bonne idée. On va la mettre ici. Juste à côté des commerces, hein, why not? Why the fuck not? Production électrique, j'en étais sûr. Il nous faut plus d'électricité. Et j'ai pas assez d'argent par contre. Enfin si. Je vais avoir assez d'argent parce que j'en récupère 4500 à la semaine, mais... Tac. Rasons les bâtiments abandonnés. La consommation électrique grimpe en flèche. Vite, augmentons le budget. Voilà, très bien. Besoin d'eau. Il n'y a qu'à demander, hein. Besoin d'eau, tout de suite, là. Maureen n'éduque pas ses habitants pour ne pas qu'ils se rendent compte qu'il les traite mal. Dictateur, tu ferais mieux de jouer à Tropico. Eh, hey, je viens juste de mettre une école élémentaire, qu'est-ce que tu veux? Voilà. Alors, je suis en train de me rappeler pourquoi j'avais enlevé la musique du jeu. C'est parce qu'à force, elle devient un peu relou, je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, le quartier... Voilà, c'est bien ça. Le quartier a beaucoup évolué depuis un certain temps. Voilà, et on produit, à mon avis, on produit pas assez d'eau. C'est bien ce que je me disais. Vous voyez comme quoi le budget d'eau, c'est bien de le baisser très vite en début de partie, puisque au final, regardez, j'ai eu besoin de l'augmenter... aux environs, aux alentours de 1500 de population, et puis enfin à 100% à 3500. Donc, c'est pas la peine de se presser. Ok, c'est bon, cet incendie est géré. Alors vous voyez, regardez, toute cette zone-là qui est verte, elle est bien 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 couverte, à tel point qu'il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas du tout de problème de sécurité incendie. Par contre ici ça devient un peu orange et là c'est carrément rouge, donc faire gaffe un petit peu à ça je pense. D'ailleurs je vais rajouter un petit peu de zones boisées pour pouvoir permettre à nos habitants de jouer et accessoirement d'augmenter la valeur foncière de leur bâtiment. Augmenter la valeur foncière des bâtiments, ça permet tout simplement de... Je vais baisser le son, ça me rabat un peu les oreilles.
Qu'est-ce que je veux dire? Accessoirement, augmenter la valeur foncière des résidences permet de les taxer un petit peu plus encore. Voilà, c'est tout est fait évidemment pour que je gagne plus d'argent. Hein, vous vous rendez compte? Hop, on a eu un gros besoin d'industrie d'un coup là. Une grosse envie d'industrie d'un coup. Tu sais que tu peux tourner les trucs que tu poses, oui. Oui, essayer de garder les conversations, bon, en dehors de la politique, ça m'arrangerait. Qu'est-ce qu'on est bon là? Est-ce que c'est géré ici? Oui, c'est géré. Par contre, là-bas, ok, là-bas c'est géré aussi. Ah, on a quand même 50% de sécurité incendie, j'aime pas ça. On va peut-être rajouter une antenne de pompiers. Faudrait peut-être plus que je la rajoute par là. Ouais, le truc c'est que pour que ça gère tout cet octogone là, il faudrait que je le place ici. Mais ça m'arrange pas trop. Je sais pas. N'importe quoi. Vous êtes fous. Ok. Zone commerciale. Zone commerciale, tout va bien. Zone résidentielle. Voilà. Voilà. Alors, consommation électrique. On est pile à ce qu'il fallait. Ah, je crois qu'on a un problème de déchetterie par contre. Oh si, c'est couvert pourtant, vous êtes mignons. Ok, c'est qu'ils sont en chemin. D'accord. Donc consommation électrique, bim. Voilà. Il y avait qu'à demander. Santé. Santé, c'est pas top. Santé, c'est pas top. Je pense qu'on peut se permettre de doubler ces bâtiments maintenant. On va en mettre un là. Voilà. Pollution, est-ce qu'on... Voilà, regardez. La pollution a quand même triplé de volume par rapport à avant. Et voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure. La pollution des eaux usées, ça va... très très loin, c'est emporté par le courant. Regardez toute cette zone là dégueulasse. Ben voilà. Ceci explique cela. Ok. Tac. Ok. Bon, la ville est relativement pas mal couverte par la déchetterie. Ok. Je mets un petit parc ici, ça coûte rien. Enfin, ça coûte si, ça coûte de l'argent, mais ça va. Ah putain, il y a quand même 1000 personnes qui sont éligibles au collège. 1024 personnes qui sont éligibles, j'ai une capacité de 1000 dans mon collège. Hmm.
Ah bah ça va mieux avec le avec le budget à 100% de la santé, mais je comprends mieux pourquoi c'était pas très que l'air des faits était pas génial. Là là, mais la consommation électrique, c'est ouf ce que ça augmente vite. Qu'est-ce que ça donne par ici? Ok, prochaine étape, 5500. Ok, et on débloque, pas grand-chose d'intérêt en dehors de l'hôpital. Voilà. Ok, donc niveau éducation, pardon, on est bien. On a 26, 46% d'habitants qui sont diplômés, entre guillemets, de l'école élémentaire. On a 27% de gens qui sont diplômés du collège. Bon, c'est pas encore topi top, mais ça ira. Zone industrielle, continuons. Oh, le travail. Quand même une grosse demande, hein, parce que j'ai à peine délimité le parc industriel que ça construit déjà. C'est assez marrant. Donc je pense qu'il faudra mettre une déchetterie. À terme, il faudra mettre une déchetterie pas loin parce que... la déchetterie va peut-être avoir du mal à la desservir au bout d'un moment. Santé, 78% en moyenne. Donc là, on est bien. Là, c'est pas mal. Pollution sonore. Ouais, comme il fallait s'en douter, tout ce qui est éolien ou industriel, ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Le trafic commence à être... Ah ouais, le trafic est carrément bloqué ici par contre. Et ça, c'est pas cool. Il faudrait... Faudrait une route à sens unique. Ah merde. Ok, déplaçons. Ah putain, je peux pas déplacer ça. Ah la connerie. Bon, c'est plutôt ici de toute façon que ça posait problème. Donc là, normalement, ça devrait le faire. Voilà, j'ai beaucoup augmenté cette zone-là. Oula, que se passe-t-il? Ah oui, d'accord. Je comprends. Je vous ai compris. Voilà, ça va mieux. J'avais malencontreusement... éteint le courant ici, en fait. Tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas... Comment dire? C'est pas trop un problème de raser des zones dans la mesure où ça reconstruit assez rapidement derrière, en fait. Et pour fluidifier le trafic, de toute façon, vous avez pas trop d'autres solutions. Ah là, par contre, on va avoir un problème. On va avoir un problème parce que cette déchetterie, elle m'empêche d'améliorer les routes qui sont ici, en fait. Et c'est plutôt problématique parce que le trafic s'est reporté ici, en fait, tout simplement.
pas cool. Tac. Consommation électrique, il y avait longtemps. De toute façon, je commence à avoir vraiment des revenus assez intéressants. Je pense qu'il va bientôt falloir penser à s'agrandir. Ça pourrait être sympa. Regardez, maintenant le trafic est vraiment, vraiment bloqué ici. C'est pas cool. Voilà, est-ce que ça ira mieux ici? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ça devrait le faire, je pense. Voilà. Donc j'ai un problème parce que je peux pas améliorer ici, je sais pas pourquoi. Ah putain, je m'en doutais. Me doutais bien qu'il allait y avoir un problème ici. Non. Ouais, alors là par contre ça va poser problème. Donc on va... Voilà, au grand mot, les grands remèdes. Pourquoi ça marche pas? Voilà. C'est en partie pour ça que le trafic, la gestion du trafic est assez compliquée dans City Skylines. Parce qu'il faut, il y a souvent, souvent des bouchons qui se créent assez facilement. Et c'est pas toujours facile à gérer. Voilà. Ouais, ça va beaucoup mieux d'un coup. Ça va beaucoup mieux. Parce qu'évidemment, nos camions poubelles vont vite se retrouver bloqués si on gère pas le trafic ici, par exemple. Mordren a quand même rasé le pont alors que les voitures étaient dessus. Mais tu vois, finalement, elles se sont replacées d'elles-mêmes dessus. Ah, on a un problème d'eau. Effectivement, effectivement, on a un problème d'eau. Sans grande surprise, vous me direz. Voilà. Vous voyez ici, on a un problème de desserte par la déchetterie. Donc là, ici, ça devrait aller mieux d'un coup. Voilà. Je pense que dans ce jeu, en fait, c'est surtout, faut pas avoir peur de raser pour refaire mieux derrière, en fait. Je pense que c'est important de bien souligner ça, parce que moi, souvent, dans ma première partie, j'étais en mode, non, mais je vais pas raser ça, parce que c'est trop... J'ai mis longtemps à le faire marcher, ou je sais pas quoi, mais c'est mieux comme ça, en fait. Enfin, de toute façon, on peut pas y échapper. Alors, des zones commerciales. On n'a pas vraiment besoin de zones résidentielles là pour l'instant.
Tu vois, et vous voyez là, je suis quand même vachement emmerdé par la position de cette déchetterie en fait, parce que l'angle ici m'empêche d'améliorer cette route, ce qui crée un point de contention ici, c'est logique, et ça m'empêche aussi d'améliorer cette route pour les agrandir. Et donc du coup voilà, ça va devenir problématique au bout d'un moment, parce que c'est un des points d'entrée majeurs de la ville, mais tant pis. De toute façon, c'est fait, c'est comme ça. On va carrément faire une route à 6 voies ici, qu'est-ce que vous en pensez? De toute façon, ça ne coûte quasiment rien. Donc profitons-en. Et à terme, faudra que je fasse la même chose ici. Tac. Ok, bah on est plutôt pas mal, regardez. On a une économie relativement florissante à 7000 crédits par semaine. On a 106 000 dans la banque. On va bientôt arriver à 5500, c'est une petite ville plutôt sympa qui est sortie de terre assez rapidement, l'air de rien. Et on la tient, l'air de rien, de façon plutôt correcte. La pollution est relativement circonscrite. Bon, je pense qu'on va investir dans plus de services à la personne, à mon avis. Le taux de criminalité a beaucoup baissé. Il va falloir que je rajoute des lignes de transport. La population. Ok, ah, on a quand même 12% de chômeurs. Intéressant. La valeur foncière est plutôt élevée. Pas plutôt élevée. Elle est moyenne, en fait. Nos habitants ont peu de loisirs, c'est pour ça. Il faut que j'augmente un petit peu leur capacité à se divertir. Qu'est-ce qu'on va faire? Jardin japonais, c'est mignon. C'est mignon. J'aurais tendance à en mettre un là. Pour augmenter un petit peu le loisir de mes habitants. On va faire une autre ligne de bus. Voilà. Et il en faudrait une ici aussi. Dans mon magnifique octogone dégueulasse. Voilà. Donc ça c'est pas mal. J'ai quand même 324 personnes qui utilisent par semaine mes transports publics. Donc ça c'est cool. Alors on a vraiment des problèmes de déchetterie par contre. Faut que j'en crée une autre à mon avis. Un bâtiment à brûler. Ok. Donc je pense que il faut qu'on fasse. Ouais, je vais en mettre une là.
Tac. Parce qu'on a quand même des problèmes de ce côté-là. Déchetterie, c'est bon. C'est bon, mais ça, c'est plus suffisant ici, par contre. Faudrait que j'en mette une par là, à peu près. Bon. Bah, je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter. Il est 22h. On a fait 2 heures de live sur City Skyline. J'espère que ça vous a plu. Regardez ma belle petite ville, comme elle est jolie. Donc il y a des problèmes de déchetterie, effectivement. Il y a des problèmes de risque d'incendie. Mais voilà, c'est rien qui ne saurait être réglé. Je pense qu'on s'en est plutôt pas mal sorti pour un live, alors que j'étais un peu déconcentré par le fait qu'il faille tout le temps parler. Mais voilà, je pense que c'est pas mal. Je vous ai montré un certain nombre de choses sur City Skyline. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires sur la VOD YouTube, qui sera publiée à 16h samedi, ce que vous en avez pensé. Si vous voulez que je refasse d'autres vidéos dessus, si vous voulez que je refasse d'autres streams dessus. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur la VOD. Et à très bientôt en stream sur Hitbox, tous les mercredis de 20h à 22h. Salut à tous!